Alors, il est beau, mon Martin. Je ne vais pas te dire le contraire, c'est notre fils. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère que vous allez bien profiter de votre retraite, Marie-Louise. Oui, alors moi, c'est Marie-Lou. Hein, alors, fais-moi confiance, on va en profiter. Non, je vous dis ça. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 décembre 2022. Et je vais vous parler d'un film que j'ai vu, ou plutôt que j'ai revu hier soir. C'est une comédie française, c'est Joyeuse Retraite. Justement, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Joyeuse Retraite 2, et je me souvenais plus que j'avais vu le 1, donc j'ai revu le 1, justement pour vous en parler. Donc, Joyeuse Retraite, le premier. La réalisation, c'est Fabrice Braque. La durée, c'est 1h37. Les acteurs, c'est Thierry Lhermitte, Michel Larocque, Nicole Ferroni, Omar Bebrouk et Judith Magre. Le genre, c'est comédie, la date de sortie, c'est 2019. Et voici l'histoire. L'heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marie-Lou. Ils s'apprêtent à réaliser leur rêve, partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes. Ils pensaient enfin être tranquilles, mais leur famille a d'autres projets pour eux. Donc voilà, comédie française que je valide, qui est sympathique, juste pour passer un peu le temps. Mais qui vaut pas le 2. Donc Joyeuse Retraite 2, j'ai préféré parce que il y a l'action alors que dans le Joyeuse Retraite 1, il y a pas d'action. Joyeuse Retraite 2, ça se passe au Portugal. Le Joyeuse Retraite 1, il rêve d'aller au Portugal, il rêve de s'installer, d'avoir une maison là-bas. Mais je vous dis pas la suite, voilà mes amis. Par contre, ils vont pas au Portugal, ça je peux vous le dire. Donc Joyeuse Retraite numéro 1, ils ne vont pas au Portugal, ils restent en France. Et le film reste assez basique. Alors que Joyeuse Retraite numéro 2, il y a des courses-poursuites, il y a quand même beaucoup d'action, et c'est autre chose, c'est une autre dimension. Donc je valide le 1, mais tout juste, et j'ai déjà validé le 2, que je vous conseille si vous l'avez pas vu, Joyeuse Retraite 2, parce qu'il y a quand même beaucoup d'action, c'est quand même très très loufoque, très amusant. Donc voilà mes amis, ça sera tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Une perceuse, une scie sauteuse. Moi, je vais vous faire un Olivier. T'as vu ça? Parce que je m'appelle Olivier. Et ils n'ont pas compris.